Oui, scan. Oui, il est gonflé à bloc, oui. Ah oui. Où ça, on sait pas, hein. Gonflé où? Et oui, non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, j'ai prévu le coup. Je me suis dit, il y en a bien un qui va faire le coup, quoi. Voilà. Bon, je me doutais bien de qui, hein. Pouette Crix. Eh bien, le bonsoir, Mando. Gonflé où, on se demande, bien sûr. D'ailleurs, attends. J'entends pas du tout. Ah si, j'entends. Si, j'entends. Monsieur, j'entends. C'est bon. Je suis pas obligé de la suivre, là. En vrai, je peux très bien faire un voyage rapide, parce que... ici, là, c'est là. Je me voyage rapide jusque-là, et puis c'est bon. Non? Bah tiens, Sia. Bonsoir. Bah alors attends, je te manquais tant que ça que tu viens même sur des streams que t'aimes pas. Je dirais vers le bas du corps. Mais je suis pas sûr, faudra demander à Mérine pourquoi. Ah bah oui, elle pourra confirmer, c'est sûr. Non mais par contre, je fais quoi? Je me téléporte, non? Ou en vrai, je la suis ou pas? Parce que bon, elle m'a kiss la dernière fois, mais je veux dire. Je suis obligé? On farme les points pour la faveur. Mais non, mais ça, faut pas le dire, ça. Oh. Le bisou. Quoi? Ah oui, ça aurait dû être moi. Ah mais attends, on revient là en vrai, non? Ça sert à rien là. Je peux me téléporter. Bon, allez. Juste parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on va venir sur cette planète, hein. On va profiter du désert. On va profiter d'être seul avec Mérine, hein. Voilà. On va faire plaisir à Cal. Alors qu'on pourrait très bien se téléporter, hein. Mais bon. Scaninos. C'est un toutou en feu, le Scaninounet. Ne m'appelle pas comme ça! Ne m'appelle pas comme ça ou je te zigouille! Salut Parisien! Eh hey, Mérine, tu fais quoi là? Tu flics comme ça là. Bon, là, et hey, en vrai, là t'es en train de me dire téléporte-toi. Hein. Et on est d'accord qu'on a. Bon, les balades c'est bien des fois, d'accord, mais on va se téléporter, ce sera plus rapide quand même. En plus, on peut se téléporter directement là, non? Non? Là? Où? Voyager. Ok, là on peut, et là? On peut, faut juste laisser appuyer, d'accord. Comment ça va, Parisien? Quelle belle imitation, t'as vu? Ah, je suis le pro dans l'imitation des droïdes. Spécialement scan. C'est ma spécialité. Bon, alors. On y est, là. On y est. À boire! Ah bah, buvons! Et par contre, s'il vous plaît. Hein. Alors, c'est bien sympa, par contre, de me faire boire. Hein. Mais on va dire modérément, d'accord? Parce que même l'eau, modérément. Sinon, après, on va encore me reprocher d'avoir une petite vessie. Hein? De me lever toutes les 5 minutes. Donc, on va doser. Hein. Et on est dans Star Wars. Équilibre, d'accord? Hein? C'est bon? Bon, à ta santé, Parisien. Mais t'as raison, j'avais soif. Je sais pas si je vais pas l'augmenter un peu. Non, si vous êtes modéré, ça va. Ça va et toi? Bah, ça peut que bien aller. Week-end, écoute. Début de week-end. Jedi Survivor. Pizza après. Comment tu veux que ça aille moins bien que ça? Alors, juste là. On est ici. Bon, on doit aller certainement parler à l'un d'eux là. À serrer, à coller serré. Donner les codes de contact, ouais, ça a l'air d'être ça. C'est carré, ah ouais. Hein. Et vous alors, sur le chat, quoi de prévu le week-end? I couldn't save Hermias. He gave his life for this. I'm sorry. I know you did your best, Cal. And the Empire? They did not track us. Hey, Scrapper. Glad you made it back in one piece. Bon, il me fait de la peine. Regardez comment il est. Il a l'impression d'être l'intrus un peu.
je vais l'aimer avant la fin du jeu. Je vais l'apprécier, ce personnage. The Republic established a colony on Kobol to study a stellar anomaly known as the Abyss. Santari Cree led the research team. Ouais, d'accord. That's it with them. Early attempts to navigate the abyss ended in disaster. D'accord. The Republic was on the verge of abandoning the project. And then Gus who volunteers to fly in alone and discovers a planet on the other side. L'autre là. Dagen, voilà. Using ça. The data from his voyage, Cree invented the abyss compass to guide others safely to Tannable. The Republic established a settlement. A Jedi built a temple. Just like you said, Cal. Regrettably, a time of peace and prosperity was disrupted when Outer Rim... Halinil! I saw them too, but how'd they get across the abyss? They must have stolen a compass. Don't worry, we won't be so careless. Halinil! The Republic abandoned Tannalor, and the Jedi Council ordered Cree to destroy the compass. Dagon Gera refused and rebelled against the order. That is a Gendai. They do not often ally with other species. Gendai. Looks like Ravis has been working with Dagon for a lot longer than we thought. Oh, d'accord, tout est lié. So the order sent Jedi to secure the compasses. C'est pour ça qu'il l'a récupéré. Dagon murders them over it. Jedi killing other Jedi. Ouais, ça s'appelle des. Centauri said that Dagon was the key to Tantalor. Maybe he is, young Jedi. Despite my efforts, those compasses you brought me were beyond repair. However. Records indicate that three were unaccounted for. Ah bah tiens. So you're saying one might still be out there? Yes. And Dagon sent his army to look for it. I'd ask you to stay and help us, but I recognize that look. What look? Hope. Hope. That planet could be a haven for those who stand against the Empire. So you're coming with us? I mean, Grease can make room on the Mantis. For all of you. No. Elle veut pas. This place needs me. The hidden path needs me. Cordova? Non. I'm sorry, my friend. On va être tout seul, quoi. Now my place is d'habitude. Let me prepare a data stick so you'll have access to our research wherever your journey takes you. On va être avec Bud. Let me guess. You're staying too. Non, elle vient. Ou oh, attends. When we first met, I thought that what we shared was unique. Ça s'appelle la friend zone, ça, à mon avis, non? On va se faire friend zone là. Against the Empire who took our families. Yeah. He helped me realize I wasn't alone. Mais. As did you. Mais. But there is a galaxy full of people who have suffered as we have. It's as you said. Oui. Perhaps you have found a sanctuary for them. Mm-hmm. Perhaps, if we can get to it. Mm-hmm. I will. Non, elle vient. Ah oui, quand même. Besides, it's been far too long since I've made Grease's hair stand on end. Non, pas ici, par contre. Voilà. See you back on the Mantis night, sister. Mm-hmm. Sœur de ma nuit. Oula, non. Du calme. Il y a Bidi qui est là, il va en voir trop ses... Compas des abysses. Donc attends, un appareil inventé par Santari Cree pour naviguer dans l'abysse de Kobo. Le compas utilise les coordonnées obtenues lors du vol à l'aveugle. Le compas utilise les coordonnées obtenues lors du vol à l'aveugle de Dagon. De Dagan vers Tannalor. Le conseil Jedi a ordonné la destruction de tous les compas après l'attaque des Nihil sur Tannalor. Oui. Pensant qu'ils avaient dû en voler un afin de franchir l'abysse. En fait, il y a trop de termes là. Je suis perdu. Qu'est-ce que voulait Dagan? Il voulait aller où? Dans les abysses? Mais les abysses, c'est quoi? C'est les abysses de Kobo, c'est ça? Voilà, c'est un appareil, ok, qui est dans les abysses de Kobo. Le compas, il utilise les coordonnées obtenues lors du vol à l'aveugle de Dagan vers Tannalor. Mais alors Tannalor, c'est quoi si c'est pas les abysses? Pourquoi il voulait aller sur Tannalor? Je comprends. C'est quoi là? Il va falloir que je retrouve là. Je suis perdu là. Bon bref, vous dites quoi? Moi, ce week-end, j'ai prévu d'en finir. Mais sinon, tout va bien. Mais tu vas en finir avec tes examens. C'est ça que tu veux dire. Hein. Demain, petit tennis avec un pote. Le soir, apéro chez des amis. Et dimanche, chill. Nickel. C'est carré aussi. Ce week-end, j'ai prévu un footing. Parce que le 26 février, j'ai quand même une rando de 100 km.
une rando de 100 km. Mais comment? En un jour? Mais je veux dire, t'as des pauses, t'as des ravitaillements, t'as des machins, parce que même moi, enfin, je veux dire, j'ai marché 64 km en 4 jours. Comment tu fais là? Waouh. Je pense même pas avoir fait 5 km de marche cumulée l'année dernière. La musique, ah oui, bien sûr. On va se coltiner bot sérieux quoi. Mais oui, ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir bot. Mort de rire. De ma nuit et pas la sienne. Tanalore est dans les abysses. Ah, c'est ça! Je comprends mieux maintenant. Il a fait les 36 étoiles. J'en attendais un qui allait parler. Franchement, les abysses, à chaque fois que j'entends parler, là, je peux pas m'empêcher de penser à Genshin, quoi. Dagan cherche un moyen de revenir à Tanalore, qui était abandonné à cause de l'invasion des Nihil. Mais cette invasion des Nihil sur Tanalore, on le voit dans quel roman? Parce que j'ai pas l'impression de l'avoir lu, ça. Ça me dit rien. Genshin, bah tiens, si, elle se réveille. Ça parle des abysses, alors forcément, ça fait penser à Genshin. Il ne s'empêchera pas de te le faire remarquer. D'accord. On le voit jamais. C'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Ok, c'est pas dans la... Très bien. Au moins, je suis pas là en mode, mais j'avais lu ça, mais en fait, non. Ok, bon. Très bien, c'est compris. Compris, compris. Compris. Donc là, notre but, c'est de... La chute... Ok, oui, donc. Lorsque le Conseil Jedi a ordonné l'abandon de Tanalore et de Kobo, Dagan Gera n'a pas pu l'accepter. Malgré les protestations de Centauri, il a défié le Conseil. Ouais. 200 ans plus tard, sa haine envers l'Ordre Jedi atteint son paroxysme lorsqu'il dégaine son sabre laser en jurant être l'ennemi des Jedi. Sympa, ça, mais... Tu commences à avoir l'habitude avec lui, hein. Donc là, c'est bon, je suis au bon endroit, là? Oui. On va faire encore faire mumuse avec les bouboules. Et les mumuses avec les bouboules. Rien de dégueulasse là-dedans, s'il vous plaît. En 3 jours, avec 14 compagnons, au cœur de la Bretagne. Ah, en 3 jours! C'est déjà... C'est beaucoup! Mais c'est déjà plus réaliste, quoi. Avec 14 compagnons. Oh, c'est bon. Au cœur de la Bretagne. Oh non, franchement, tu m'invites là. Je veux venir. J'ai jamais été en Bretagne. Pas se voir Aldo, du coup, hein, pour le coup, et Mati. Mais oh. J'adore marcher, j'adore découvrir les endroits, justement, en marchant. La Bretagne, j'ai jamais visité. Et si je pouvais faire ça, là, en 3 jours, parcourir la Bretagne. Mamma mia. Ah, fait chier. One day qui finit. Oh, ouais, bah, j'espère bien. Putain, faut qu'on se fasse ça. Hein. Non, mais vraiment, là. Jamais été nulle part. J'aimerais bien que tu m'y emmènes aussi, Mando. Mais t'inquiète pas, on t'emmènera. T'en fais pas. J'ai switché, là, non? Quand ça va être un chercheur à viser. Non, ok, bon. Très bien. Ce on connaît, non? Il a aidé le groupe à percer le mystère de Tanalore, oui, à trouver le chemin à travers l'abysse de Kobo. Attends, il aide le groupe à percer le mystère. Donc en fait, eux, ils veulent y aller quand même aussi, quoi. Pourquoi ils veulent y aller? Parce que à percer le mystère de Tanalore et à trouver le chemin à travers l'abysse. Mais s'ils trouvent le chemin à travers l'abysse de Kobo, ils vont atterrir sur Tanalore. C'est ça le truc. Mais c'est quoi alors? Dans l'abysse, t'as une planète qui s'appelle Tanalore? C'est quoi? C'est dans un trou noir le machin? C'est. J'ai pas compris. Mais bon, peut-être que c'est normal qu'on sache pas. Hein, mais. T'emmènera en visioconférence. Oui, c'est un moyen de voyager, oui, bien sûr. Bon. Ah, le compas. Le compas. Le compas Bod. Et Maître Cordova sont impatients de partager leur découverte. Santacri. Santari Cri. Pourquoi je dis Santa Cri, Santa Fe, Santa Cri. Bon bref, Cri avait créé un compas spécial pour naviguer dans l'abysse de Kobo, permettant aux Jedi de la Haute République d'établir un temple et un avant-poste sur Tanalore. Cependant, la planète a été envahie par des agresseurs Nihil et les Jedi ont été forcés de se replier. Ouais,
Par la suite, le Conseil Jedi a ordonné à Kree de détruire les appareils restants. Mm-hmm. Mais selon Maître Kor... Mais pourquoi ? Parce que je vais dire, ça aurait été le meilleur moyen pour aller confronter les Nihils. Du coup, pourquoi ils enlèvent... Et en fait, ils laissent les Nihils envahir Tanalor. Ils les laissent tranquilles. On enlève tous les moyens d'y aller, quoi. Mais selon Maître Cordova, l'un de ses compas restait introuvable. Ou peut-être pour pas que les compas tombent sur des mains... dans des mains... maléfiques. L'un de ses compas restait introuvable. S'ils le trouvent, cela leur ouvrira la voie à travers l'abysse. Donc oui, donc là, en fait, c'est le but, là. Il faut qu'on trouve ce compas, quoi. Oh, si on va sur Tanalor et tout à la fin, ça risque d'être sympa. Parce que vestige, reste de Nihil. Oh, ça annonce du bon, ça. Meereen comprend que Tanalor pourrait devenir un sanctuaire pour les réfugiés du passage. Et rejoint donc l'équipe. Attends, hein, comprend que Tanalor pourrait être un... Ok, ah, alors d'accord, ça deviendrait du coup un refuge, en fait. Alors ça a été à la Haute République, ensuite les Nihils, et maintenant c'est un refuge de l'Empire, en fait. C'est... Ah ouais. Et rejoint donc l'équipage résolu à trouver le dernier compas. Waouh. Ils veulent y aller, The Hidden Path. Car ça peut être un nouveau refuge pour les Jedi. Ok, et autres réfugiés encore en vie. D'accord. C'est genre littéralement ce qui est expliqué dans la cinématique précédente. Oui, mais j'ai besoin de le lire, moi. Dans les cinématiques, mon cerveau, il processe pas tout. Surtout que Tanalor n'est pas connu de l'Empire. Surtout que pendant les cinématiques, je me pose 36 milliards de questions, parce qu'il y a plein de choses que je comprends pas, ou que je me rappelle plus. Donc en apparence, 100% safe. Mm-hmm. Bah, c'est surtout qu'ils ont... Ils n'ont pas les compas justement pour y aller, quoi. Donc oui, du coup, c'est safe. Je peux pas divulguer plus d'infos sous peine de gros spoilers. Ouais, mais c'est déjà très très bien. Merci, merci. Attends. Non, c'est bon. Les Nihils ! Ah, les Nihils ! Là, c'est intéressant. Là. Les Nihils, une faction de maraudeurs insaisissables et impitoyables, sont devenus l'une des plus grandes menaces de l'ère de la Haute République. Capables de naviguer dans l'hyperespace d'une manière que peu peuvent égaler... Je vais pas spoiler. Ils ont semé le chaos à travers la fragile frontière de la République, lançant même une attaque surprise contre Tanalor. Face à cet ennemi unique, le Conseil Jedi a ordonné l'abandon de Tanalor et la destruction de tous les moyens d'y parvenir, préférant concentrer leurs ressources pour repousser définitivement la menace des Nihils. T'en as d'autres, non? Sinon? Ça va? Ok. Bon, du coup, n'ayant pas lu les livres de la Haute République, je connais pas les Nihils. Bah, oui, bah, normal. Mais bon. Ah, les Nihils. Arrête, là, faut vraiment que je finisse le troisième bouquin. Coruscante. Waouh, on va sur Coruscante. Enfin, on y retourne du coup, parce qu'on y était au tout début, hein, c'est ça? Mais non, parce qu'en fait, on va pas sur Coruscante. C'est ça? Alors que nous, on va là. Parce que l'objectif, il est là, quoi. Ben, chercher le compas sur Kobo. Il n'y a pas assez été sur Kobo, hein. On y retourne encore. The Mantis has changed. Oh yeah, Cal and Boat, they ain't exactly the cleaning types. I cleaned this morning. Wait, did I? No, I didn't. That's on me. Aaron, I didn't know you were coming. Hey, maybe I'll pick up some scas. Bah après, on sait qui. Forcément, elle allait venir. Waouh! Je suis même pas assis, yo. Hippity. Bon, je peux m'asseoir? C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez. Kobo. J'ai comme une impression de déjà vu, là. Bon, où est-ce qu'il va être encore ce compas? Il va être à l'autre bout de la map encore. Et moi, je me téléporte. Hein. Welcome to Kobo. Cal, Cal, so glad you're back. You missed all the action. It was horrible. Did something happen? The Raiders paid us another visit. Took a shine to that droid you found. See? They took her, Cal. Carried her right out. She's been droid napped. My saloon better be okay, Turgle. I think you brought this down on us. D'accord, Zed a été okay. Dagon sent them. He's after Tanalor. There must be something more to Z than we realized. Something scrambled up in her mind. Bah oui, il sait. We have to rescue her. Once he gets what he wants, he'll scrap her for sure. It won't be easy to get her back.
The Raider base is in the swamp. Ils cherchent la même chose. They got an old Luke or Hulk battleship from the Clone Wars. We've seen it. Means they got a lot of firepower. As do we. She's right. Now's our time to move. I like where this is going. They already have what they came for. They're back at their fortress feeling safe, complacent. They'll never see it coming. Maybe not. But if you're wrong, then they'll be looking for payback. Not to worry. I will stay here and look after Grease and the others. You sure? I think you two can manage. Just don't let him swim without supervision. Let me know if you need help. Hey, Sax. Name's Mosey. Marin. All right. I'll scout ahead. Meet you there. Il est jaloux. Il fait wow, attends, Mérine, elle est en train de se faire un Miami avec l'autre là. Lucre Hulk. Est-ce qu'on a du Lucre Iron Man, du Lucre Thor, du Lucre Captain America, du... ça, c'est, ça, bonjour le clip du Best of. Turgle, imprononçable. Bah, et Hope, Mosey va te piquer. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, j'ai pas. L'équipage retourne sur Kobo et découvre qu'en leur absence, les pilleurs du chaos ont attaqué l'avant-poste et enlevé Z. Craignant qu'elle soit mise en pièces une fois que Dagan aura découvert Dagan, qu'elle ne sait rien sur le compas. Cal et Bot décident d'aller le sauver et de lancer une offensive directement sur la base des pillards avec un vaisseau de combat. Lucre Hulk. Hulk. Abandonné. Allez, go. Donc là, en fait, oui, mais donc... Donc c'est ça. C'est ça. Where is the next checkpoint? I need to... Teleport myself elsewhere. Somewhere else. Pitié. Attends, c'est où? Attends. Y'a pas un. Y'a pas un truc pas loin pour se téléporter? Si, là. Là. Allez, là-bas. Ah oui, tiens. Salut, toi. Allez, go. Je suis encore étonné qu'il n'y a pas de mode qui te permet d'incarner Turgle. Ah ouais, parce que genre t'as des modes qui te permettent d'intégrer d'incarner d'autres persos déjà. C'est là ou pas? Oui, mais il faudrait peut-être que je monte. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas. Mais bon, hein, on réussit toujours à voir ce qu'on veut. Cueillir des graines, ça fera plaisir à... Let's plant these next time we're in the garden. Scan. Il y a des modes qui permettent de jouer un perso Genshin. Sérieux? Non, 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 je te crois pas, là. Je perds foi à l'humanité des fois. Attends, dans Jedi Survivor, tu peux jouer un personnage de Genshin. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Voyage rapide. Alors. Je te jure sur la tête du général Grievous. Je sais pas si c'est... Non. Ouais, c'est une bonne information, ça. Je sais pas si c'est reliable. Bon, on va voir. Normalement, là, on n'est pas loin, là. Alors, fais voir. Ouais. Bon, c'est derrière. Mais là... Comment je fais maintenant? Bon, il y avait un Zozio quelque part, non? Regarde le MP. Je te promets que c'est... Vas-y. On va regarder. Furina dans Jedi Survivor. Excellent. Je te crois. Excellent. On aura tout vu, donc. On aura définitivement tout vu. Alors. Ah oui, bah voilà, là-bas. Très bien. Cet endroit me rappelle des mauvais souvenirs. Allez, vole! Ah, comme le vent. Voilà. Stop. Je
plus comme laisser là. Oh non, mais c'est pas vrai. Bon, ben, échauffement, c'est ça? Oh non. Ah, c'est vrai, il y a les boules de pu, là. Oh non. Wouhou. Boules de pu. Mais dégage. Mais dégage de là. Allez. On a tué les boules de pu. Ah non, il reste une. Oh là là, il y en a encore deux. Bon, alors, vas-y. Non, non. I am mort. Bon. Boule de pu. KO. Maintenant, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je me suis protégé. Pour cette connerie. J'avais peut-être plus de... Ah, il me détruit ma... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, pourquoi? Mais je me suis protégé. Ok, il y a un truc que je comprends pas. J'avais battu la dernière fois, lui. Comment j'ai fait? Bon, normalement, quand même, là. Allez. Il m'enlève tout. Eh oui, t'es intelligent. Ouais, purée. J'ai tout perdu sur lui, quoi. Génial, hein? Allez, fonce, viens là. Bon, ça me saoule, là. Mais putain, mais... Mais c'est la première fois limite que je vois ma jauge de... Bon bah écoute, on va le tuer comme ça, hein. Hein, bon. Si ça te saoule, Genshin, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. T'as sûrement vu l'annonce d'un nouveau film Star Wars avec Mando et... Bah oui. Oui. Et Grogu, je suis évidemment très hypé. Bah oui. Et qu'apparemment, il sortirait après la saison 4. Ce serait le film qui clôturerait la saison 4. Et peut-être tout l'arc, en fait, de Mando. Saison 2 de la Noob. Ah oui, Ahsoka. Un vrai galérien, celui-là. Ouais, bah attends... Il faisait n'importe quoi aussi, jamais galéré comme ça contre lui. Bon alors. Donc là, c'est exactement là où on doit aller. Hein. De toute façon... Non? Attends, vous êtes en train de me dire que depuis tout à l'heure... Non, c'est ça. Non, c'est ça, non, c'est bon. C'est bon. Je vous jure, si des fois je fais des trucs que je dois pas faire, que je galère... C'est quoi ça? Un bout de l'étoile, on dirait... There it is. Je rigole, mais non. What? C'est quoi ce truc là? Oula, il va se passer quelque chose. Bonne entrée fracassante. Oh, il se la pète là. Bah, faut bien qu'il fasse un peu son intéressant, hein, t'sais, parce qu'il est un peu délaissé, quoi. Ah, faut que je place des balises. Some kind of service gantry. Oui, ben là, échec de la balise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Placer la balise. Tu veux que je fasse quoi, là? Zoom? Passage aux portes. C'était quoi cette séquence-là?
I'll be watching. Copy that. Mais regarde-moi le. It's one way not to get mud on your boots, huh? Ce show of man, quoi. C'est bio. Now we just need to rescue Z. Je trouve ça extrêmement bizarre de sortir le final de la saison 4 exclusivement au ciné. Bah non, c'est un film, quoi. Enfin, je veux dire, des films, tu peux en avoir avant ou après des séries. Ce sera pas un final, à mon avis, ce sera juste une saison 5 en film, entre guillemets, un peu. Le grand public va être perdu, déjà sans avoir vu la série, mais si en plus le film est le final d'une saison... Ouais, mais bon, tu vas pas voir The Mandalorian si t'as pas vu les autres trucs, quoique, t'as des gens, des fois, qui découvrent Star Wars dans le désordre. Y a aucun ordre. Star Wars, tu peux découvrir ça, ils peuvent découvrir le film, ils vont peut-être pas tout comprendre, mais au moins après ils vont dire ah bah tiens, j'ai regardé les saisons. Je pense pas que ce soit le meilleur move à faire financièrement parlant aussi. Après bon, j'avoue que le truc aussi sur le The Book of Boba Fett là, la saison 2.5, c'est ça là. C'était pas le meilleur move non plus, quoi. Bot qui frime, voilà, c'est ça, plus que moi, alors qu'il a deux fois moins la classe. Mais non, mais le pauvre, faut bien qu'il se défende un peu. Il a le droit, laissons le faire. Il fait encore plus de peine, en fait, quand il fait ça. Le pauvre, je me fous de sa gueule, je devrais pas. Mais alors ça, c'est quoi? Parce que c'est quand même une sacrée base, dis donc, on dirait une mini étoile de la mort, quoi. Parce que bon, elle est pas très grande, hein. Hard to believe anything could live in this swamp. I guess our friend here makes it work. Oula. Alors, par contre, tu vas reprendre de la hauteur. Voilà, ok, merci. Voilà. Là, par contre, on fait quoi? On passe dans l'arche, on passe au-dessus ou en dessous? On passe en dessous. Regarde, on fait comme dans Genshin. Regarde, Sia. J'ai mon planeur, là. Guess someone does live here. Bon, je lui ai mis des couleurs un peu sobres. Mais, voilà. Avec ce qu'on a, quoi. Vas-y, crois pas. C'est le Lurch Hulk. Ah, c'est ça! C'est le Lurch Iron Man, oui, oui. C'est ma maison, ça, je reconnais. Ah oui? Oh my god. Oui, oui, il y a du. Oh, Fortnite. Non, non. Non, non. How much do you think this is worth? Nothing's worth crossing the Raiders. Now move. Activité risquée. On va encore suivre des gens là. Deux prospecteurs fouillaient le marais pour savoir s'ils pouvaient transporter des morceaux de Hulk. Oh, hein. Brisés pour les vendre, risquant ainsi de s'attirer la colère des pillards. Ok. Donc ils faisaient un peu comme sur Jakku là. Enfin, les pillards. Mine de rien, ça a de la gueule. Hein. Eh, on va escalader tout ça là-bas? Ça, c'est quoi ça? Quelque chose me dit que je vais pas du tout au bon endroit là. Quelque chose à faire avec ça là? Attends. Non, j'ai juste pas le pouvoir de. Ok, faut que j'aille en bas. Bon, d'accord. Je vais monter là pour rien. Ok. Très bien. Mais. D'accord. Ok. C'est que si j'ai ça un jour, je pourrais y aller. Ou alors, c'est bloqué pour le moment. Et là-dedans? I'm not leaving you here. Don't worry about me. I'll be fine. But we must find my data pad. Can't we just get a new one? Absolutely not. Oh non, ça sent la quête annexe, ça. Vous avez perdu quelque chose? Rien entendu. Hein? Quoi? Vous disiez? Non, je sais pas. Alors attends, par contre, là... Que quoi? Je peux rien faire? Attends. Quelque chose me dit qu'on va débloquer quelque chose là-dedans, non? Ou alors ça va être un skin. Ah, attends, il y a Biddy qui a mis quelque chose. D'accord, scanner, oui, donc scannons. Look at that. Droïde vautour. Non. Non, non. Droïde vautour. Non. Bon, bah, ok. Tu veux pas voir. Bah, tant pis. C'est pas grave. Hein. Je vais pas te forcer. Ok, donc ça pour le moment. Ok, donc il y a le truc en dessous.
m'ont montré qu'il y a ça en dessous. Mais alors s'il y a ça en dessous, on peut faire ça. Hein? Je tente des trucs, hein. Là, vous pouvez mettre l'imote. Mais qu'est-ce qu'il fait? Peu importe ce que les prospecteurs faisaient ici, sans que la présence voisine des pierres ou le goudron, des marais, ait été trop fort. Ce site potentiel a été abandonné visiblement dans la précipitation. Il veut pas faire les quêtes annexes pour finir le jeu cette année, JP. Bah, et... À quoi? Oula, attends. Ça s'insinue partout, comme le sable. Oula là! Suicide? Suicide, let's go. Oula là! Ok, bon. Oui... Yep, still not great. Allez, monte. Activé, bah vas-y, active, hein, écoute. Hein. On y va. Je sais pas du tout si c'est l'endroit où il faut aller. Je suis descendu à un truc, je sais même pas. Mais bon, écoute, on avance. You ever been in a ship this big before, buddy? Been a long time for me. Not looking forward to it. It's easy in there. Mais alors du coup, Zed ne sait rien en fait, elle va même pas pouvoir leur dire où se trouve le compas, parce que eux, ils semblent dire que de toute façon, Zed, elle sait pas. Ah, j'aime bien les plans là, sympa. Hein. Attends, là je fais quoi là? Là-bas? Ok, j'ai vu. Ouh! Vous avez rien vu, tout va bien. C'était parce que je voulais un peu plus observer, vous voyez, c'est... Et c'est bon, là. Oh là là, j'ai tout... Bonsoir, Willou. Si, moi j'ai vu... Bah, t'arrives au bon moment. Mais non, chut, chut. Rien passé, non, non, non. Et Mando qui se bat. À deux doigts, deux clips pour immortaliser ce moment ridicule. Ouf. Ce sera certainement fait. Mais ça va, oh, j'ai juste pas été assez au bout, quoi. Je me suis dit que bon, on y était presque. Faut que je me plante contre la pierre ou quoi? Voilà, c'est bon. Allez, tiens, toi. Ouh là là. Attends. Mais non, je veux pas un... Attends. Y a pas eu un... Y a pas eu un point de sauvegarde parce qu'en fait là j'ai plus de steam là. Et ça. Raccourci, ok, mais là-bas. Y a pas de... C'était là en fait. Mais c'est là d'où je viens. Ah, y a rien pour ce... Ah, y en a un là. Mais y en a un bientôt. Ben voilà. On va y arriver. Non, parce que là, je peux rien faire. Hein. Avec un Steam. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça sera pas mis tant d'autres, ouais. Et comment ça va, Willou, alors? En week-end, quoi de prévu, alors? Un bon week-end bien chargé, tranquille, relax. On dit Steam, ouais, d'accord. Il y en a pas bientôt. Ouais, ok. J'ai vu. On va faire ça. Maintenant, quand je vois ça, je me sens comme sur Dos Dragon. Tu sais, je me dis, j'ai froid, je vais me réchauffer. J'ai pas mal joué sur Dos Dragon hier, ça m'a traumatisé. Mais j'aime bien me faire traumatiser par Dos Dragon. Le mec, il se pique 15 fois par jour. Attends, on en parle de l'addiction de Cal pour ses... Ah oui. C'est un taré. Ça va, c'est le week-end. Ah bah oui, voilà. Que bien aller. Tiens, Bod. Pour une fois, ça fait du bien de te voir. Alors, bon, pas de points. Donc, se reposer, ça c'est sûr. Alors, comment te dire que je sais que je suis en live, en fait. No shit, Sherlock.
Hey, ça fait 46 minutes que Kishnifu est en live. S'en fout quoi, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait le robot là? Va falloir que tu le répares le droïde. Patrouille. Roger, roger. Salut les gars. Allez Bod, c'est le moment de briller là. Bod, c'est le moment de briller. Mais Bod, fonce pas dans le tas. Fonce lui. Fait. Merci, merci Bod. MG Bod qui t'aide. Donc t'es en train de me dire que c'est pas juste un figurant, bah j'ai l'impression. Attends, ça c'est fou ça. Char d'assaut blindé était le rempart principal de la Fédération du commerce. Mais oui. Et putain, l'arsenal séparatiste. Ce câble s'est cependant retrouvé piégé par le goudron endémique de... Mais oui, je me disais que... Attends, c'était connu ça. Un char d'assaut séparatiste. C'est bio. Qui c'est qui me veut ma peau là? Là, je meurs. Ok, oui. Mais je suis sûr que ça cache quelque chose, ça. Y'a pas un truc là-bas, non? Pas quelque chose, non, qu'on peut accéder. Bon, bref. Ok, salut, toi. Bod. Bod, le pauvre. Oh là là, on fait la paire avec Bod. Regarde ça, il le bloque sans faire exprès. Voilà, c'est Bod qui prend les dégâts, parfait. C'est bien Bod. Non mais je vais commencer à l'aimer ce perso en fait hein. Oh là là, et on fait la paire Bod, check. Non, en vrai il est même plus utile que Meryn. Oups. Non, quand même, non. Regarde-moi ça. Il me ferait... Merde, non, j'ai rien dit. Bien, il me ferait presque bien jouer, mais non. On n'est pas jusque là encore. Ah, parfait. Ah, je peux même lui dire de... Ah ouais, je peux lui dire de faire ça. Oh là là. Non mais c'est bon. Bod le goat. Le goat. Meilleur friendship. Je ship Cal et Bod. M'en fous de Meryn. Bah surtout qu'en plus Meryn elle est avec sa pote maintenant. Qu'est-ce que tu veux. Nous a lâché quoi. C'est quoi? Oui c'est des conteneurs. Scan. Je vais l'appeler Scan Billy. Hein, vraiment. En fait Scan t'es avec moi dans le jeu quoi. Moi je suis Cal. Toi t'es Billy quoi. Après avoir récupéré le Hulk... Les pillards du chaos ont construit un quai de fortune sur sa partie inférieure, d'où ils pouvaient transporter toutes sortes de marchandises mystérieuses et nauséabondes vers et depuis leur nouvelle base. D'accord. Donc là, faut que j'utilise. Think you can break that coupling? Ah, d'accord. Let's find out. Oh là, comme tu te la pètes. Un vrai mandalorien. When in doubt. Non, le tuez pas! J'arrive. Salut. Là, attendez, vous avez quoi là? Ils ont des grosses lances. Ah oui, ils en avaient certainement tout à l'heure, mais c'est la première fois que je les vois. Bon, ils sont pas plus dangereux. Hein. Ok, donc là-bas. Là, y'a rien. Ok, bon, allons-y. Mais il est mort. Ouf. T'as rien eu toi? Tu calmes. Eh mais je joue bien là en vrai. Hein. Là je joue bien. Ça va. Ah bon c'est pas trop compliqué vous allez me dire mais bon. Hein.
Un vrai Mandalorien, Bud, respecte un peu les Mandaloriens. Écoute, il vole. Il se la joue à la Mandalorien. De mon point de vue, Bud, c'est un Mandalorien. C'est ça que j'ai dit. Bon, ok, j'ai eu un book. Trop bien. C'est pour TDS. la blague, la private joke. Bon, là, on fait quoi, en fait, là, parce que... Oui, ils étaient là, mais... Et après... Bon, d'accord, c'est derrière, donc on est venu là pour rien, très bien. Impressionnant. Oh, putain, on a même le... L'abysse. Oula. Ok, donc, bon, je dois aller à gauche, là. Non, elle me kiffe juste, en fait. Bah, tu m'étonnes. Même Bidi, il confirme. Il veut pas en dire plus. Il est shy. J'ai un peu peur, là, non? Parce que là, je peux pas trop... Je peux y aller, là? TDS Film, le même... Potential de son nom. A le même potentiel. Ah oui, travailleuse du... Oui, bien sûr. Oui. Bon, mais là, on est d'accord, je peux pas... Bud, tu me portes ou... Igné ? Là, je sens que... Attention, vous allez avoir quelque chose à clipper dans pas très longtemps, là. Préparez, parce que je vais me casser la gueule. Attends. Ça, on loupe pas, ça. Ah mais non, c'est juste... Oh, je croyais que c'était un truc de force. On s'en fout de l'écho. Non, le lore, c'est important. Nah, she'll hold. Just wait till you see what's inside. Parce que Ravis a fondé les pillards et à partir de groupes disparates, il les a invités à s'installer dans le Hulk qui s'était écrasé. Alors que certains ont vu son potentiel immédiatement, d'autres étaient plus craintifs. Le lore de Maison du Café. D'ailleurs, Kobo est rempli de lore. Oui, bah oui. Bah, déjà, il est très grand. Donc. Bon, Body Boda, là. Va falloir que tu... Body Boda. Va falloir que tu m'aides, là, parce que... Attention, vous êtes prêts à clipper. Attention, ça va y aller fort. Hein. Allez, ça clip. C'est bon. Je pensais que ça allait être pire, quand même. Oh, mais oui, mais c'est vrai que j'ai le... C'est vrai que j'ai ça, là. Quand Mary n'est pas avec moi, j'oublie tout, quoi. You know, I broke into a freighter on the nab once. Yeah? Any tips? No. It was nothing like a Luke or Hulk. Not sure why I even mentioned it. Could Tiens, fais-toi électrocuter à ma place, vas-y. C'est pratique. D'ailleurs, Kobo, ouais, t'as le dash. Mais oui! Bubou Mérine, elle t'aime pas. Mais pour eux, t'inquiète. On va gérer. C'est quand même Bud qui la remplace, quoi, quand même. Pareil. Au bout d'un moment, il y a des indices, tu sais. Allez. Le dash, faut pas que j'oublie. Et franchement, je m'en suis souvenu à temps quand même du dash, parce que... Allez, bim. Dommage collatéral. C'est bien, Bud. Buddy Boda. Ok, on continue. Très bien. Et comment ils se la mettent? C'est vraiment fun, les phases. Hein. Passe comme ça, là. Y'a pas à dire. Alors par contre, ce serait un peu plus fun si je savais où aller. Attends, là, il y a un truc que je comprends pas, là. Il y a quelque chose en dessous de mes pieds? Bon, tiens, bon cal, hein, je réfléchis.
Est-ce que je peux genre me... Ok, d'accord. T'es déjà là, toi. Tu me nargues, en fait. Ça sent un peu le hangar, tu sais, pour... genre des TIE, quoi. Là. Hangar à TIE. Oh, attends. Pas vu, ça. Poutre. Poutre du hangar. Oh, s'il y a des joueurs Genshin, là, ça va vous dire quelque chose. Ah, c'est du private joke, hein, donc pas tous les joueurs. Mais... Ça sent le boss fight, tout ça. Il y a ça aussi. Poutre, t'étais pas là, Sia, quand on parlait de poutre? Genshin. La fameuse poutre de Zhongli. Ah, la belle poutre. Et tout le monde n'a pas la rêve, par contre. Ready, Cal? Yeah. Oui. Pourquoi tu... Ready pourquoi? For what? Je dois te parler en plus? You ever take apart a Lucre Hulk in your scrapper days? Ne... Pas parler de... Non. I try not to think about Brock too much. Didn't leave in a good way. I understand. Feel the same about our home on Beeren. But it's where Kata grew up, so... There are good memories with parler. The dad. Je... She used to love to je m'en vais en moonwalk. They left the spaceport. Oui. Hold it. Ah, mais il a vraiment arrêté de parler. Ah, oh, le pauvre. Le pauvre, il me fait de la peine. J'aime sa belle. Ça, donc, je peux ouvrir? Bah non, bah oui, ça aurait été trop facile. Ah! On change la couleur! Et cette fois, c'est moi qui choisis. Hein. On met où? Non, Bebou Bud. Sabre laser. Lame. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis encore? Ça, on a mis... Il t'aime pas sur ce live, moi aussi. Mais oui, c'est ça. Non, violet, non, on a déjà mis. On n'a pas mis vert. Si, on a mis vert. On a mis vert. On n'a pas mis rose encore. Allez, go. Enfin, magenta. Allez. See how it handles. Oh oui, ça c'est pour montrer que Bud et moi, voilà quoi, ça, ouh, il y a Mérine, non, rose, oh les coups désastreux, à deux doigts d'un polo. On va rester avec du rose jusqu'au prochain. Ah, du beau rose. Goûtez à mon sabre rose. Vas-y, Bud. Oh oui, oh putain. Moi je danse. Le rose me perturbe un peu, mais on va y arriver. Bon. Non mais cherche pas, t'es nul. Moi aussi. Ah, ah, je me suis fait trouer. Ok. Ça c'est à clipper ça. Je dis t'es nul et après c'est moi qui meurs. Oui, c'est bon, c'est bon. Coupé. T'es plus nul que lui en tout cas. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah, ça te fait rire. Bon, on n'a rien vu, tout va bien. Non, non, mais j'étais juste dans une mauvaise phase. Non, non. On va les détruire en 2-2. Alors, redonne-moi mes compétences. Ah, déjà. Non! Non, mais vous allez voir, ça va le faire. Ah, ok. Très bien. Alors... Attends. Non, ça marchera pas là. Oh, attendez. Je fais le tour. Ce bordel. Non mais change de sabre. Oh mon dieu. C'est bien. T'es bon, t'es mort? Ok. Scanner. Ah, tu veux scanner? Oh, vas-y. Non, pas ça. Non, pas ça. Scan.
droïde BX à fusil. Ah, oui, bon, d'accord. Tu passes sur Genshin à quelle heure? Regarde-moi là, c'est... Ça va faire tard pour toi, Sia. Parce qu'en vrai, je peux... Normalement, les vendredis, je fais 2 heures de Jedi Survivor. Après, je mange. Et après, potentiellement, je peux live. Donc, ça veut dire que ce serait... 19h. Et là, c'est 1h du matin, quoi. Voilà. Donc, ça fait un peu tard, quoi. Bah oui. Et demain... demain, tu peux pas. Mais je vais liver quand même. Et dimanche, je vais liver aussi. Passe sur Genshin à 3h du mat. Bah, en vrai, à 1h, je peux, mais je vais pas liver à 1h, il y aura personne. Je peux essayer, mais... Sia dormira pas pour les points. Non, mais elle peut dormir en mettant le live. Je veux dire, elle est capable. Triste. Bah oui, je sais. Je n'y peux rien. Écoute, je vis au Canada. Ma faute. Bon, c'est bon, vous, faut que je vous fasse la peau là. Mais pleure pas, je vais... Tu sais bien que je suis trop sensible à ça. Moi, ça continue. Je vais faire ça. Je vais prendre genre 2 manettes, tu vois. Je vais jouer une main à Jedi Survivor, une main à Genshin. Je vais mettre 2 écrans là. Je vais lancer 2 lives et puis voilà, on arrêtera comme ça là. On fera tout en même temps. Va satisfaire tout le monde. Aïe, 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 aïe. Bon, et si on arrêtait de faire les cons un peu, parce que depuis qu'on a le sabre rose... Bro moved to Canada and complains nobody's watching his streams. Non, c'est pas ça. C'est juste que je ne peux pas stream à des heures que ça va à tout le monde. Mais en vrai, ça a ses avantages. Il m'a pas rendu mon... Si. Ça a ses avantages parce que... Parce que moi, je suis pas vraiment un couche-tard, si tu veux. Donc, si j'étais en France, les lives à 21h, 22h, 23h, il n'y en aurait jamais. Alors que là, ben, il y en a, quoi. Parce que ben moi, pour moi, c'est pas tard pour ces heures-là. Donc, Scam, tu devrais être content, quoi. Oh, Bod, il se fait... Il le défonce. Oh, merci, Bod. Oh, il est bon. Il est bon, ce Bod. Attends, et tu es en train de me dire que depuis tout à l'heure, en fait, fallait qu'on redescende là? Non, mais non, tu te fous de ma gueule. Hein? Mais... Vous pouvez me dire à quoi ça a servi, là? Mais... On a récupéré un truc là? Ah là! Putain! Mais oui, mais. Oh. D'accord, c'est bon, je l'ai vu au dernier moment. Ok, et donc là, R2. Très bien. Ok, une plaque. Moi, je suis surtout content de pouvoir te faire chier sur tes propres streams. Bah, c'est un peu le but, hein, tu sais. Quand t'es streamer, c'est toi la victime. Hein. Ok, puis là, on va pas oublier le dash parce que sinon. Oh, magnifique! Ah oui, c'est vrai qu'il attaque tout de suite. Salut les mecs. Attends, c'est moi où j'ai demandé un steam là? Pourquoi j'ai demandé un steam? Tant pis. J'ai utilisé un Steam pour rien. Ok, donc là... D'accord, je vois. Mais est-ce que ça sert à grand chose que j'aille là-bas? Parce qu'en vrai... On est bloqué.
Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Et on y va au feeling, let's go. Magnifique. Oula, oula. C'est bon. Ah, j'aime bien l'environnement là. Alors là, si on se sent pas dans. Dans les couloirs. Limite, ça fait. Je sais pas vraiment ce que ça me rappelle. Ça me rappelle tellement de choses à la fois. Mais j'ai tellement peur de dire des conneries aussi. Ok, bon, ça va. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais chaque droïde que tu assassines aura des répercussions plus tard. Ça, c'est parce que t'es de la race des droïdes et que tu vas avoir des répercussions sur. Scaling a beaten up warship, just like the old days. Ouais, c'est vrai. Ça va avoir des répercussions parce que tu vas me le faire payer, c'est ça? C'est ça que tu veux dire. Je peux m'accrocher là-haut. Ouais. Exactement, bah oui. Where are they going? C'est des TIE, j'avais raison. Non? Là, ça sent le fight. Oui, voilà. C'est ce que j'avais dit. Bon. Bot, t'es là? Et voilà, quand on a besoin de lui, il est pas là. Oh, lui, il a plutôt un pattern simple quand même. Vrai, il n'y a rien de plus simple comme pattern. Bud est parti se commander à McDo. Tu l'excuseras plus tard. Bah, il a raison, hein. L2, ok. D'accord. Allons-y. Heureusement que je me suis souvenu du dash. Mon dieu. Bon, là, il n'y a pas trop le choix. Tayo. Ouf. C'est agréable. Ça, là, c'est bien d'escalader, plein de trucs. Franchement, je trouve l'énorme point fort, et puis là avec le dash ça rajoute quelque chose, l'énorme point fort là de Jedi Survivor, c'est oh, toute la phase d'escalade et tout, et c'est super agréable. Alors là, oui, examiner. J'avoue, Bud, ah ok, bon, on est compte, j'en viens à l'appeler à l'aide quoi. Mon avis a complètement changé sur lui. Chut! Wow! Chut! Mais il a une range de je sais pas combien lui. Non mais tiens. Non. Aïe. Non mais je vais vraiment crever. Bah dis donc. Non mais reviens Bud, en fait ton histoire et celle de ta fille me touchent beaucoup. Oui. J'avais complètement oublié qu'il avait une fille. Mais oui, ça me touche, oui. Bon là par contre on peut pas faire du...
Voilà. C'est vrai, il a une fille. Ah, je suis pas le seul, ça va. Non mais attendez, ça me rappelle les endroits de la Cité des Nuages quand ils courent là tous dans le dans les couloirs. Même qu'il y a un mème avec un gars dont ils recherchaient l'origine du gars, je sais plus comment il s'appelle. Pendant des années. C'est un gars qui court quoi. Je sais pas si vous avez la ref. Je pouvais aller là-bas ? Non mais ça c'est un raccourci débloqué ça, non ? Attends. C'était marqué quoi raccourci débloqué ? Non, bah non. Attends, j'ai pas... Oui, parce que là je suis revenu là. Attends. On va sauvegarder. Je sais plus du tout, j'ai pas compris là. Le gars porte une glacière, exactement. Oui, bah aussi, Kishni, quand tu fais un stream de Survivor, toutes les deux semaines, t'oublies pas mal de choses. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais eh oh, ça fait pas deux semaines là, hein. Ça, je peux toujours pas l'ouvrir. Mais non, mais là... C'est là qu'il faut que j'aille? Vraiment? Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais pas du tout, je viens de là. Ben l'info que Bud a une fille, ça date d'il y a 3 mois. Ah oui, bah oui, non mais oui, ça... Impossible que je m'en souvienne. Bref. Donc c'est là qu'il faut qu'on aille, hein, on est d'accord. Parce que moi je viens de là, hein. Oui, je viens de là. Oui, c'est bon. Allez, j'ai recollé les morceaux. Suicide. Ok, non, d'accord. J'ai fait le dash. Je vous jure que j'ai fait le dash. Vraiment. Salut les gars. Bon. Je sens que je vais galérer. Wouhou. Mais bien sûr, tu fais le truc quand je lance le sabre, évidemment. Bon, on va se concentrer. Oui, mais Alice. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on peut faire ça. Ouais, bon, j'ai fait un peu mon malin, mais je sais pas si ça va vraiment aider en fait. Ça va pas trop aider en fait. Mouais. Tu parles? Si on switch sur les deux là. Ouf. Non, ça va pas. T'es d'accord, je te fais une attaque mon gars, hein. J'ai droit à mon heure de gloire un peu, non? Oh mais attends, mais... Bon. Arrêtez avec ça, là. J'ai dit... Oh là là. Bon, attends. On va se concentrer sur un, là. Lui, là. Tu peux pas faire tout en même temps, les gars, là. On fait comment là? Parce que bon, y a rien qui marche là.
Y'a rien qui marche. Je suis bloqué. Complètement bloqué. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Bon, après, c'est une info qui aura zéro importance dans l'histoire, donc pas grave. J'ai toujours aimé les sabres roses, en vrai. Bah, c'est joli. Mais ça m'aide pas, là. bon. T'as mal écrit, Violet. Non, mais bien... Bien sûr, j'ai compris ce qu'il faut faire. Bien sûr que j'ai compris. Faut utiliser la fameuse technique de notre Scaninune national. C'est-à-dire faire ça et faire. Mais pas sur lui! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Ah bah là j'ai pas réussi, très bien. Bon, bah on est revenu au... Mais attendez, je suis trop con. Putain, mais quel con. Mais oui, mais... Mais non, mais vous avez le droit de me traiter de naze, vraiment là. Oui. Quel teub, je vous jure, mais des fois je suis une teub mais ambulante quoi. Oh allez-y, battez-vous. Le gars il fait n'importe quoi. Non mais c'est nickel ça. Allez, vas-y. Mais oui, c'est bien. Tiens. En fait, je me bats pas sur le bon là. Reviens. Ah oh, bah c'est bon, il est mort. Mais voilà. Ça y est, et enfin Kishni a enclenché l'intelligence là. Non mais en vrai quoi, putain. Oh. Scaninune National, ouais. Scaninune National ou le Scaninune National basé sur le pays où je vis, parce que il y a une petite différence. Oui, bon. Des fois, je suis une tub ambulante. Mais c'est vrai! We need to use this. Oh non! Ah d'accord! Ah oh, oui, bud! Buddy! My buddy! Oh. Ah là, je peux pas. Vas-y, tu lui fais ça. Oh là là! Oh là là, mon buddy! Hey, buddy, buddy! Putain! Oh, les couloirs là! Alors là, par contre, vous savez où on est là? Si je vous fais view, on est où là? Là on est où en vrai? Obi-Wan Vador quoi? Star Wars 4? Pfff, aïe. Ah, attends, ça c'est la porte de tout à l'heure, non? Je peux pas. Ah non, c'est un raccourci. Ah, c'est celle-là? Il me semblait bien. Voilà. Bon. Obi-Wan Vador, allô, quoi? Quoi? Alors pas du tout, mais j'apprécie l'effort. De quoi? On est à l'épisode 1 là. Mais non, mais vous avez pas compris. T'aurais dit Qui-Gon? Ah oh, ouais. Mais l'espèce de petit endroit en couloir comme ça là. Non, en virage. Ça fait penser. Le faux fan. C'est ce que le faux fan il dit là. Plutôt les couloirs de la menace fantôme. J'aurais plus dit vaisseau de Grievous épisode 3. Ben voilà, personne n'est d'accord. Ou ça, oui. Ben voilà. Bon. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je sais pas. Moi, ça m'a fait penser à ça. Littéralement le même vaisseau du 1. D'accord. Le même vaisseau du 1. Ah bah oui, dis donc. Attends, mais on est dans... Ok. On est dans la boule séparatiste, c'est ça? On est dans la boule séparatiste. C'est vrai, non? Coucou Aimé! Comment ça va?
On n'est pas sur du Genshin malgré le forçage de certaines personnes, mais non. Mais ce sera demain et après-demain. Par contre, Genshin. C'est littéralement le même vaisseau du 1. Ouais, ah bon, machin. Les droïdes, oui, les droïdes des cas. Des droïdes des cas, je ne sais pas comment on prononce. Je vais me faire avoir. On est dans la boule séparatiste. Mais c'est vrai, mais what the... Alors là, oui, épisode 1 de fou. Enfin, il a capté. Bah, il me faut du temps, moi. Il suit son jeu, en fait, ou pas? Oui. De temps. Hey, attends. Non, mais les gars, c'est à vous de suivre. Moi, je me bats dans l'histoire. J'ai pas le temps de regarder de... Ah oh, oui, tiens, on est là. Non, c'est à vous de suivre. Le gars qui essaye d'un peu se dédouaner. Ça va super, et vous? Bah, super. Comme je disais, hein, week-end. Donc... T'as prévu quoi, toi, pour ce week-end, aimé? Des trucs chill? Des sorties? Mais que font les droïdes des... Mais oui! Il me dit quoi? Je suis pas là pour rien, moi. Il lui faut bien une encyclopédie ambulante pour lui expliquer. Bah, tu es Bidi, tu vois, tu scannes, tu m'expliques. Moi, je me bats, c'est déjà bien suffisant, non? Attends, vous avez pas trop m'en demander non plus. Et je galère? Alors, wow! Hein? Ou alors ça, par contre... Double sabre, j'ai dit. Attendez. Double sabre, on a dit. Voilà. Ça sert à rien, c'est ça. Hein. Oh. Ah ouais. Attends. Oula, ça sert à rien du tout. Attends. Là, c'est intéressant. Ils ont des boucliers. Oui. Salon de coiffure, lessive. Attends, je me fais détruire là. Salon de coiffure, lessive, récupération colis, Vinted. Bien. Visite appartement. Bien. Ah, tu vas déménager? Geek, live, dodo. Week-end parfait. Tu te bats avec tes gros muscles là. Bah oui, monsieur veut impressionner les mesdames. Bah non. Ils ont des boucliers. Nous pouvons le faire. Allons-nous-en. Oui, on va dasher comme ça, là. On va dasher. Bon, bah, allons-nous-en, alors. Hein. On peut pas en utiliser un pour taper sur l'autre, là? En vrai, on peut les tuer ou pas? Parce que si on peut les tuer, moi, je reste. Hein. J'ai l'impression qu'on peut pas. On est obligé, c'est ça. On est... Attendez... Je fais un blasphème là ou pas? Le gars RP jusqu'au bout. Non mais en vrai, on peut les tuer ou pas? Parce que si on en rencontre plus tard, je vais me faire avoir. Non mais ils arrivent là. Je fais quoi les gens? Je confonds ou pas là? Oui, tu peux. Mais comment? Tu, bah c'est facile à dire, oui, mais comment? Des machines de guerre avec des boucliers. Do it. Affronte ton destin. Bon. Bah oui, d'accord, mais alors... Vous êtes gentil, vous. Je vous propose de porter tes boules séparatistes dans les combats. Bon. Mais Bud, il veut même pas m'aider. Comment tu... Aïe! Mais non, mais en fait, je peux pas les avoir. Il faut que j'ai un pouvoir. Il faut que j'ai un pouvoir pour les avoir. Ah si, ça y est, Bod. Oui, Bod. Il a compris, Bod. Mais en fait, ils sont pas résistants. Il suffit de les esquiver. Après, tu dis à Bod. Ah oui, mais faut qu'il se recharge, Bod. C'est pas ça que je veux faire. Mais ça va! Ça va! Sois plus malin. Mais en fait, c'était Bud, en fait, qu'il fallait utiliser. Et t'as eu un trophée pour avoir appelé Bud, oui. Mais je pense que peut-être être plus malin,
ça aurait peut-être été d'utiliser la force, par exemple de les attirer vers moi avec la force, et puis là, coup de sabre, non? Je pense que ça aurait été la bonne méthode. Attends, on va les scanner quand même. Droïde EK, mais oui. Pas la bonne méthode. Ah. Attendez, on se pose 2 secondes. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Poussée de force, tirage de force, non. Esquive des trucs pour envoyer les missiles, sert à rien. Utiliser BOD, solution de facilité. Envoyer le sable comme j'ai fait pour briser leurs trucs, ça a marché. Le dash peut-être? Ouais. Je te révélerai la bonne méthode de les vaincre quand t'auras 100k points. Non mais moi j'ai autant de points que tu veux. Donc les 100k, je les ai. 100k fois même si tu veux. Si tu regardes, bah tu peux pas voir. Moi sur mon interface, c'est marqué les K coins là, infini. Tu sais le symbole infini là. Hein? Slow up. Enemies nearby. Salut les gars. Oh là là, tiens bot, vas-y, parce que alors là, me saoule. Aïe! Ouh là là! Mais calme-toi! Non mais... Bot, il est énervé. D'accord, alors... Je fous tous les coups à côté. Mais il est pas censé être... Non mais bot, tu sers à rien là par contre. Hein. Soignez-vous, non pas vrai. Alors qu'en fait il est trop facile quoi. Bon, j'ai plus de steam, c'est génial, hein. Je tente de sauver ma vanne de merde. Bah, fais comme tu peux, quoi, hein. Ça, on peut pas l'ouvrir, c'est ça? On peut pas. Bon, très bien. En vrai, on avance dans Jedi Survivor, là, non? On en est à quoi? On en est à... de la moitié, non? On a passé la moitié du jeu, quand même, en vrai. Ça m'étonnerait que ce soit le contraire. Turbo lift. Is that who I think it is inside? Let me get a closer look. Yeah, let's see. Where does it go? In control tower. Oula. Then that's our target. Qu'est-ce qui s'est passé là? Big problem. Down there. On peut quitter là, s'il vous plaît. En bas. Kyle, you see that? Oui, 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 je vois. Oui, il y a des droïdes. Oui. Check out those AATs. Oui. I've got a plan. D'accord. Oui. Tu veux les refaire tomber dessus, non? Ah ouais! Regroup at the turbo lift. What do you think? Okay. It's risky. We passed risky a while back. Good luck. You too. Et Bot qui m'abandonne encore. J'y crois. Mais en vrai, oui, là, on est carrément dans. Pff, c'est trop bien. Ah ouais! Il doit y avoir un truc là. Bah c'est obligé d'ailleurs. Ah, j'ai cru que c'était un truc de force encore. Mais c'est pas si facile à trouver. Il est un peu smash en vrai, bon. Oula. C'est le sabre rose qui te fait faire ça? Ready to scour this planet for my lost master. Vous avez rien vu. S'il y avait un truc pour sauvegarder, ce serait pas trop mal aussi. Je peux m'accrocher sur ces machins là? Est-ce que le but c'est de remonter le truc ou faut se laisser aller? Écoute, on va voir. Hein. Ah putain, fallait aller là-bas! Ou pas? Attends. On va comprendre. Ah mais d'accord, fallait aller derrière. Ouah, d'accord. Ok, c'est bon, il fallait le savoir. Ok, je me fais agresser. Non mais vous vous rendez compte, j'ai plus de steam là. Oh.
on fuit. Non. Non. Non mais vas-y, non mais les mecs là. Tiens. Voilà, on s'enfuit. Oh oui. Oh oui. Oui, non. Si, oui, c'est bon. Yes. Yes. Oh purée. Bon, on remonte du coup, c'est ça? Non? Oula, quoi? What? Ah oui, et là je dois aller où là? En face? Ah oui. Ok, bah let's go. Ah tiens, mon ami. Mais là j'ai pas mode là. J'ai pas la bonne technique, mais bon, je lui fais sa fête quand même. Oh, je peux faire les mineurs quand même, putain. C'était chaud, ouais, ouais, ça c'est sûr, Mando. Pote qui drop des nukes normales. Finish him. Yeah, Parisien. I finished him. C'est quoi ça là? Ok, bon, ça de toute façon, je peux pas m'en charger. Ah bah bravo! Ah, mais ouais, quand il est tout seul, ça sert à rien, c'est ça? Ouais, ça sert à rien quand il est tout seul, d'accord. Très bien. Du coup, je suppose que je peux toujours pas ouvrir la porte. Ok. Donc, c'est là. Aïe aïe aïe. Attends, attends, mais du calme là. Je dois faire quoi là? Je dois aller où? Je peux pas l'atteindre là-bas. Ah, attends, attends. Je peux passer là? On va essayer. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà. Wow. Ah oui, attends, il y a un truc de... Oula, attends, non, non. Ça par contre... Ah merde, je peux pas l'ouvrir. Génial. Salut les Roger Roger. Voilà. Le pouvoir du rose. Bon maintenant. On continue. Là on peut aller de l'autre côté ou... Ouais non, là vaut mieux pas s'accrocher là. Ouais non, là vaut mieux pas s'accrocher. Oh attends, what? Un décédé? Now to test my work. Droid, kill them. Roger, Roger. Je vois. On va faire ça alors. Mais non mais là. Mais là. Non, non mais là, non mais... Quoi? Mais, pardon? Je me fais gangbang là? Moi j'ai pas la compétence pour vous détruire les mecs. Mais là je suis en train de revenir en arrière en fait. Donc bon. Agression dans le métro qui te font... Mais oui. Non mais je peux pas aller plus loin là. J'ai pas du tout été au bon endroit. Ah. Ah, c'est ça. Attends. Attends, attends. Attends, 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 attends. Là, on fonce, on fonce. Ok, attends, attends. Si j'ai bien compris, c'est là-bas. Donc en fait, il y avait quelque chose. Il y avait une porte? Mais non. Il y avait un truc là-haut. Mais... Pff. Ouais, ça y est, quoi. Eh oui, bon. Non, mais non. Ah merde, ça sert à rien, c'est vrai. Oh là là. Ok, boss.
Il y a un boss. Très bien. Allez. Bon, combien de morts? Surtout que là, j'ai plus que 2 steam, donc... Ah bah oui. Allez, un long range. Parfait. Il ne manquait plus que ça. Ah bah oui. Génial. Allez. Ah putain. Et purée, bon bah c'est mort. J'ai appuyé. Et le boss en ASMR. Oh purée, le boss en ASMR. J'ai appuyé, putain de merde. C'est 38. J'arrêterai à 41 et quelques. Alors peut-être que ça va m'aider à me concentrer. Le seul problème, c'est que je sais plus où je suis. Donc le temps que j'y retourne, j'aurai fini. Alors attends. Faut-il apparaître à bout de temps? Ce qu'on peut faire, c'est que on peut aller dans les... Ouais, non, c'est bon, on n'a pas le temps. Oh, bah, c'est pas grave. Plus fort que moi. Salut, toi. Dégage. J'ai pas besoin de toi. Salut. J'ai pas que ça à foutre. Ensuite, là, t'es bien. Salut, les gars. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est pas vrai. Le sable. Oh, et puis il faut me saouler. Allez, j'ai tout comme ça. Mais... Allez, il faut qu'on arrive. Quoi, c'est quoi ça? Il faut qu'on arrive au boss. Avant 41. Le boss en ASMR quand même. Allez, je vous donne un petit extra si vous voulez. Allez, let's go. Un essai. Pourquoi il m'a pas donné? Il va trop vite. Allez, allez, attaque. Vite, tape, vite. Quoi? Mais il va trop vite. Allez, tiens, ta gueule. Ça fait mal, ça. Ça me fait mal. Allez, tiens, tiens. Prends ça. Chaque fois, je peux l'avoir. Putain, il est pas compliqué, cette merde. Allez. A wound is just a wound. You can move. Do better. Allez, tiens, la gueule. Allez, qu'est-ce que... Oh non. Aïe, aïe, aïe. Oh, petit. Petit. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais me... Ah oh oui! Ah oh oui, le boss en ASMR! Oui! Merci, Aimé, tu m'as peut-être fait en sorte que je l'ai battu, quoi. Timing parfait, mais t'as vu ça? Attends. Incroyable. Incroyable. Et ça va! J'ai galéré, mais trop quand même. Unstoppable as ever, BD. Petit coup de crosse pour finir, mais oui! Bon bah GG. Ça nous a offert quelque chose de sympa. Bon bah on va y aller hein. Là je peux m'accrocher. Ouf, il glisse pas quoi. Ah oui, là d'accord. Attends, attends. Mais ça...
je vois que je peux. Il y a des traces comme si je peux courir dessus, mais là, si je cours dessus, je peux aller là-haut après, là. Wow, ça fait short là, non? En vrai, là, hein. Pour le boss le plus dur du jeu, Rick, il te faudra ça aussi. Comment ça, Rick? Oui, Rick, pire boss. Mais vous me spoilez là, non? Enfin bon, après vous me dites juste Rick, pour moi c'est un gars de The Walking Dead. C'est pas Torgel le boss de fin du jeu. C'est qui le mec qui te suit? Il s'appelle Bod. On aime bien le faire chier quand même, Bod. Attends, on va le pousser. Ah merde, ça fait... Bon, je vais tenter un truc, mais je suis vraiment pas à l'aise là. Hein. Oh oui, oh là là, oui. Mais le mec, c'est un ami en fait qui m'aide, quoi. Mais après, bon, apparemment, il a une fille. Il a perdu une fille. Mais voilà. Il veut juste se la jouer. Oui, j'imite Lando. Le pire. Rick, tu vas revenir. Tu vas retenir son prénom, t'inquiète. Ah, tu vas péter un câble sur Rick. Mais quoi? Mais arrêtez, mais vous me faites peur là. Mais oui, c'est sûr que je vais le retenir là du coup. Pire boss all time. Mais non, on a dit que le pire boss, c'était la grenouille, là. Enfin, l'espèce de tétard, là. C'est le chéri de ton perso. Oui, entre guillemets, bah, c'est pour ça que j'ai mis des sabres roses, en fait. Non, en fait, je sais pas si t'as vu, la dernière fois, t'étais là, Aimé. Je sais pas si t'étais là tout du long. Mais le dernier live sur Survivor, il y a eu une séquence où il y a une femme qui s'appelle Mérine. Et on a fini par l'embrasser, en fait, ce qui est totalement... Enfin, c'est une sorte de la nuit, c'est une sorcière, enfin bref. Bon, c'était pas totalement inattendu, quoi. Et là, en fait, elle nous a lâchés pour une amie. Voilà. Donc, Donc, nous, on la lâche pour un ami. Voilà. Au moins, c'est équilibré. Pire que le crapaud, et tu peux pas le skip en plus. Mais non, mais arrête. Mais arrêtez, vous me faites peur, là. Il est inévitable comme la mort. Mais arrêtez! Bot, c'est genre de bro, quoi. Ouais, The Bro. Avec le sabre. Enfin, ouais. Donc. Alors. Bod, tu ouvres, s'il te plaît. Bon, il veut pas ouvrir. Ah, peut-être que si on utilise la console, ça marchera mieux, non? Ouais, ça marche mieux. Allez, monte tes gros muscles. Oh, il est fort. Il est trop fort. On a tous besoin d'un bot dans cette... Ça, c'est un raccourci, ça, non? À la base. Ouais, quand je serai là-bas, quoi. What are these buildings? Technical term is yurts. Yurts. Bon, je pense qu'on finit cette séquence sur Kobo, je pense, ou dans cette boule. Et après, on arrête. Enfin, tout dépend, là. Si ça finit dans 3 minutes, on continue un peu, quand même. Mais tu seras réveillé, toi, à 1h du matin, Sia. Bod a plus de muscles que Kishni, à ce que je vois. Bon, c'est pas trop compliqué. Hein. Oui, bien sûr, finis cette séquence. Ah! Ok, oui. Vous voulez vraiment que... Je mange entre-temps. Hein. Bon, on va voir. On va voir déjà quand est-ce que ça se termine, Jedi Survivor. Parce que j'aimerais pas que ce soit trop long non plus, hein. On approche des 2 heures. Manger, c'est surcoté. Pas le vendredi soir. Pas le vendredi soir. Non. Là, c'est mon petit... c'est mon petit safe space, le vendredi soir. Ça me prend une heure. Attends, c'est quoi ça? Bod, j'ai cru que t'étais une projection de force, quoi. 3 heures de live supplémentaire, c'est Jedi Survivor. Non, on va peut-être pas aller jusque là non plus. Là, je dois aller où, là? Je dois juste revenir en arrière, en fait. Là. Bah, en vrai, je sauvegarde et puis après, je retourne là-bas. Mais genre, il reste beaucoup, là, ou pas? Pour au moins finir la séquence de la boule. Se reposer. Oui. Bon, par contre, dans Genshin, j'ai déjà fait... Ah non, j'ai pas fait mes quêtes du jour. Mais j'ai utilisé ma résine, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Oh non, mais toi, non. Non. Non, c'est bon. Il twerk, lui, ou quoi? Il twerkait quand je suis arrivé, non? Attends.
Merde. Oh, mais laisse-moi regarder la carte. Ok, attends, il y a quoi là? Ah, c'est ouvert. Il faut que je quoi? Hein? Pardon? Pardon? Mais c'est en hauteur le truc. Enemy's close. I got your back, Cal. Non, mais quoi? J'ai l'impression que je vais pas du tout au bon endroit là. Ça, c'est ce genre de truc, ça m'énerve. Attendez. Les kékettes, voilà, il reste au moins les kékettes. Il te reste encore la durée d'un stream entier sur la boule. Ah! Hein? Peut-être même un stream en plus sur la fin. Bah, on s'arrête là alors en vrai, non? Comme ça, tu seras content, je finirai pas Jedi Survivor cette année. Non. J'y vais, moi, bonne nuit. Eh bien, bonne nuit! Merci d'avoir été là, aimé. Et profite bien de ton week-end. Comme ça, tu finis pas Survivor cette année. Bah oui. En fait, si, arrête-toi, bah tu vois. Non mais en vrai, est-ce que tu penses que je peux continuer un peu ou c'est mort? Parce que là, je comprends pas le truc. Il est en hauteur. Comment tu vas en hauteur, là? C'est quoi les bails? Je comprends pas leur machin, là. Surtout que la porte, elle est fermée. Ils me disent que c'est vert, mais c'est fermé. Alors après... Il y a un truc genre ici, là en face. Attends, quoi? Oui, d'accord. Là. C'est là en fait. C'est là. Ah, mais c'est là! Hein? C'est pas là? Bon, on va faire ça, on va voir, hein. Si, ça a l'air d'être ça. Salut les gars. Bot qui attaque celui que j'ai. Ça, c'est pas mal ça. Oh, c'est bon. Allez, scan. Il y a moi qui est archi perdu en général, puis il y a Kishni. Ah oui, non mais c'est bon, on commence à être habitué, non? Bon. Prochain point de sauvegarde, on arrête. Oh, attends, mais je vais mourir là. Ah. C'est bon. Oh, Bod! Oh non, il l'a trucidé! Oh, c'est efficace! Oh là là, je l'ai bouli! Alors. Le con. Vas-y, attaque! Attaque! T'es inutile. You are useless. Oh, Bod! Il lui fait un... Il est trop fort! Arrêtez, il est trop fort, Bod, en vrai. Oh non, pas eux. Mais... Bon, Bod, là, c'est à toi, là. Je suis mort. Ah, Bot qui te hard carry. C'est Kishni fou, oui. Titre du prochain stream, va-t-on se marier avec Bod? Je prends la proposition. Bah voilà, j'avais dit prochain point de sauvegarde. Du coup, je sais même plus où on doit aller.
ils sont tous réapparus. Oh là là, mais non, mais... Non. Non, là, non. Je sais pas... C'est où qu'il faut aller. Non, là, vas-y, Bud, c'est pas pour moi, là. On les a battus, déjà, ceux-là. Eh, hey, oh, c'est bon. Hein. On va pas refaire. Bon, je veux juste récupérer mon... Bon, occupez-vous entre vous, là. Moi, j'en ai un à me farcir. Voilà, ça, c'est bien, ça. Ça, là, ça joue bien, là. Mais... Pile quand je fais l'attaque à chaque fois, c'est quand même incroyable. Ok. J'ai des spasmes. Au secours. J'ai bugué. J'ai des... Mais allez, vas-y, mais bouge. Oh non, on arrête là. Non, on arrête. Non, là, ça, non, là c'est la fin. Là. Non. Bud, il a fait tout bugger. Oh non, on s'arrête là. Quelle épilepsie. Non. Oh, je suis fier de constater que tu ne fais pas le poids face au droïde. Monsieur. Donc, va-t'en se marier avec Bud, ce sera le prochain. Bug de l'enfer. Ah, mais là, bug de l'enfer de ouf, là. Clip de l'année. Ah oui. À dans une heure. Bah oui, bah du coup, à dans une heure. Tu t'arrêtes pas? Non. Bah si, là, désolé. Tu sais quoi d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même, pour prendre de l'avance, on va commander la pizza en live. Bon, par contre, je la mangerai hors live. Hein. Faut bien que je switch de live. Hein. Alors. Non, mais là, c'était quand même ouf, là. Le truc, en fait, il a commencé à faire son truc rouge. Il y a Bud qui l'a occupé. Et moi, j'étais là. J'étais en train de faire une crise d'épilepsie par terre, quoi. Et j'aime pas les pizzas. Mais je le sais, je sais. Bon, sinon, écoutez, je pense qu'on a quand même avancé, non? Hein? On a quand même avancé. Ouais. Faut bien que vous profitez de votre week-end. Je peux pas faire des gros... Il y a mon monteur de best-of, là. Faut pas trop que je lui en demande non plus, tu vois. Je vais pas lui demander de rester pendant des années sur le stream. Là, c'est bientôt minuit. Faut qu'il soit en forme. Et surtout, qu'il se prépare bien pour sa randonnée, là. Donc, non, on pense à nos amis. Hein. Bon, on va quand même juste réapparaître, quand même. Voilà. Quoique, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en chatting. Voilà. Attendez. Ah, ça part. Stop. Voilà. Ouais. Bonne nuit. Merci de penser à moi, il n'y a pas de problème. Bon, ouais, et bah écoutez, à la prochaine. Alors, par contre, prochain live Jedi Survivor, je sais pas. Peut-être vendredi prochain. Possible, s'il n'y a pas quelque chose d'autre avant. T'as l'air d'un gamin de 15 ans. Oui, parce que je me suis rasé, c'est ça. Comme d'hab, de toute façon, j'ai l'habitude. Hein. T'as l'habitude, Clo. Salut, Clo. Bah, t'arrives sur la fin, d'ailleurs. Je te rappelle que je joue pas à Genshin. Tu finis pas Survivor avant, si tu finis, avant fin juin. Non, mais je vais me démerder. T'inquiète. Mais pourquoi j'arrive à la fin du live? Bah, si tu veux, il y en a un autre live dans... une heure. Il y en a un autre. Voilà. J'ai pas du tout été forcé. Hein. Pas du tout. Par contre, le sujet, je sais pas si ça va te plaire. Allez. Eh bien, à dans une heure. Alors, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, hein, par contre. Tu live Genshin, genre... Non. Chut, s'il y a... moi, je serai là. Elle en vaudra 10, si elle en vaudra 10. À toutes. À Parisien, tu seras là aussi. Ah, c'est un peu tard.
Bye, puis répond à mes DM. Oui, il faut que je fasse tout en même temps, vous en faites pas. Je sais faire. Quoi, chute, pourquoi chute? Et parce que Chloé, si jamais je lui dis que je live du Genshin, elle risque de tourner pas rond, tu vois, dans la tête, elle va péter des câbles, quoi. Mange en stream? Non. Bye, mon quoi coupé. Allez, avant que ça dégénère, je vous laisse et puis bah, je vous retrouve dans une heure environ. Allez, ciao, bye bye.